les fruits, c'est important. Tout petit peu d'ananas, pas beaucoup. Un peu de pain gris, je veux dire un peu de pain gris. Fais attention à ce qu'il mange, c'est important. Ouais, c'est bon. Fini par un jus bien pressé par Gédéon Calulu. Prends un petit thé aussi parce que Ingo il m'a dit c'est bien là, la nuit quand tu transpires le matin c'est important de prendre un thé. Un peu de sucre, infusion thé verde. Un petit déjeuner complet, thé, petit jus pressé, jambon, pain complet et ananas. Vraiment parfait pour le début de journée puisque la journée elle va être sérieuse, elle va être très très sérieuse. Là je trie un peu, je pense que j'ai besoin de ce matin pour l'entraînement de ce matin. Et après je reviendrai cet après-midi pour l'entraînement de cet après-midi. Bah pull, short, chaussettes. Parce qu'ici il fait bon. Bien équipé pour l'entraînement tout à l'heure. Non. Voilà, tu vois, comme il y a des gens comme ça qui dérangent les gens, ils toquent à des portes. Bon. Là on est dans ma chambre. Dans ma chambre, on va aller se préparer à tout à l'heure pour l'entraînement, pour le briefing avant du coach et après l'entraînement. Allez, ciao. La musique cherchée, important. C'est Frenglish. Oh bien, on va faire un blind. J'ai lu, c'est tout. Il faut qu'on soit capable, un, de les évaluer ces problèmes et deux, de les résoudre. Depuis le début de saison, J1 à J15, ça donne quoi? Allez. Je vais me doucher. Après, il y a repas. Mais avant ça, il y a RPE. Important, non? Important, leur RPE de Roro. Dites-moi votre note, s'il vous plaît. Ouais, un 5, parce qu'avec les jambes, l'accumulation et tout ça. Je vois que tu vas à l'intérieur. Je vois que tu vas en profondeur. Je viens à l'intérieur. Toi, t'es revenu ici? On attend de faire 4 temps. Là, c'est fin d'entraînement. On va déposer les affaires au sable. Après, on va aller manger, on va aller se requinquer pour le deuxième entraînement de l'après-midi. Voilà. Salade italien, il a les prosciutto. Là il y a un peu de tout, un peu de patates, un peu d'avocat, un peu de légumes dans l'assiette. Sinon on doit qu'il va. Là du thé, avant la sieste, comme ça je dors. Oh non, je l'ai croisé. Ah, tu veux pas venir? Ah ouais. Mais faut faire vite parce que j'ai dit on va dormir. Mais heureusement qu'il t'a rangé ta chambre. Ah ça y est, c'est pas vrai. Elle est toujours rangée la chambre. Voilà, c'est mon vétéran. Comment ça? Trois mots. Je connais trois mots. Entrée, l'antre. Tu vois que c'est bien rangé ici. Ouais, là-bas c'est important, c'est le coin gay. Avant de faire une petite sieste là, on va jouer à Pokémon. Meilleur jeu de l'année. En gros, quand on est dans la chambre pour se détendre, moi j'amène ma Switch. Il y a mon iPad qui est là pour le soir, regarder les matchs, des séries, des films et tout ça. Comme ça, le temps il passe plus vite. Ça permet de me détendre. Après les entraînements, avant la sieste, regarder un petit truc, tac, m'endormir direct. Ou même le soir, le fait de regarder ou jouer et tout ça, c'est plus agréable. Le stage il passe plus vite. Regarde-moi cette vue. Tu souffres, mais il fait beau, hein. Il fait beau, c'est agréable de taffer. Franchement, c'est incroyable. Ouais, c'est à moi, mais t'aimes pas le style. C'est bien, petit pyjama de Noël. Plus, on est dans le thème. Tu vois, la musique pas trop forte. Mm-hmm.
La séance c'est musculation mais sur le terrain. Nous on est calme, c'est tranquille. Chacun fait ce qu'il a envie. Les vrais ils savent, OSM. Regarde, je te montre. C'est un championnat entre amis, tout simplement. Chacun a une équipe. D'ailleurs, je te montre le classement. Moi, je suis tombé sur Lens, tirage au sort avec mes amis. Là, t'as moi, là, t'as tous mes collègues. En fait, tu gères la vie du club, le mercato, tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est toute mon équipe. Tu prépares ton équipe, tu fais ta compo, tu gères le mercato. C'est du virtuel, mais... faut avoir de la cabesse dedans pour mettre la bonne compo, le bon groupe. Faut gérer les états d'âme, tu vois, les états d'âme. Ça passe par là, ça passe par là. Ouais, voilà. Tu vois les gens comme Stéphane qui ont les états d'âme. Ah, ça va. Alors, c'est quoi ? On dit qu'en faut dormir, faut avoir une température ambiante. Lui, il veut trop avoir chaud. Et la chambre, elle a 30 degrés. J'ai l'impression que je suis dans un sauna. Il si. Fait, na- voilà. Fait moins 53 quand il dort. T'as vu ça où ? Je dors, la dernière fois, j'ai dormi. Hein. J'étais avec ma doudoune. J'ai dormi avec ma doudoune, t'es bon, il fait froid. Ça va, là. Ça va. Mais si ça peut lui permettre d'être bien, c'est pas grave, je m'adapte, tu vois. À tout mon frère. À tout à l'heure, mon gars. Ça fait une quinzaine de jours là, qu'on a repris, qu'on la prépare, c'est là. Donc il est hors de question de la subir. Oui, oui, très bien. Champ de vol, Pio. Parfait. Avocat, my God. Là, là, il a vu l'assiette là. Elle est pas très belle, mais ça va être bon. Ça va être bon. Une bonne portion pâte. Là. Là, il fait la sauce de tout le monde. Il a besoin que le tonton soit là. Faut remarquer, tout le monde veut manger à côté de moi. Pas les concours. Ouais, devant. C'est où tu les couches? Tu essayes ce que s'il te plaît. Le moment de la journée où tu lâches tout, tu te détends, tu réfléchis à comment la journée elle s'est passée. Et là, tu te concentres que sur ton massage et tu penses à rien. Juste récupération. Allez, on va se mettre au pyjama. Toujours il est calme lui, toujours. Toujours il est calme. Je faisais pas avec ma fille. Toujours. Ça va ou quoi les gars? T'as déjà fini ça? Ouais j'ai fini frérot. C'est bien passé. Ouais. C'est bien maintenant. On est individuel par 5 jours. On est dans le terme. Là on va aller en péter à Tilly Christ. Ah vous êtes des. Et là, je crois que je vous dérange un peu dans le match. Non, 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 c'est quand même pas le cas. C'est passé comment ta journée? Non, en vrai, c'était bien, c'était difficile. Il y avait les deux entraînements. Là, on est dans la chambre, on regarde la CDM, au calme. Tu peux voir au fond, tu peux voir au fond, il y a mon bas sur un. Non, on va dans la chambre, on se détend. C'est ça? C'est Noël, hein? C'est Noël. Ah ouais, c'est Noël. La journée d'entraînement elle se finit, demain rebelote encore entraînement le matin et je vais aller me coucher. Merci de m'avoir suivi pour cette journée et à bientôt sur les terrains. Allez, bonne nuit, ciao.